On se rejoint où? Tu veux savoir l'adresse? Vas-y. Mais t'es prêt toi? Ouais. Bah on voit l'adresse. Là t'en as pour 10, moi j'en ai pour 5 minutes. Donc on est... Ouais c'est pour dire je viens de décoller là. Vas-y bah moi je décolle. Ok. À toutes. Donc comme vous pouvez constater, Nikki vient de m'appeler pour faire une séance de sport. Donc on va peut-être enfin pouvoir faire notre vlog sport avec Nikki. Ce sera pas à la salle, avant on s'entraînait beaucoup à fitness ensemble. Mais cette fois-ci comme il fait bon on va faire dehors. Donc j'ai mis mon short Gymshark. Pourquoi je saute alors que je peux juste baisser ça? J'ai mis mon short Gymshark avec un petit haut. Parce que j'ai envie de laisser respirer mes jambes. Et je vais tracer tout de suite parce qu'il est déjà en chemin. Je vais pas prendre ma caméra. Je vais filmer avec mon portable parce que flemme, on va dans un parc là. Je peux pas avoir caméra, téléphone, tout ça. Je vais prendre juste le minimum. Bouteille d'eau, téléphone. And that's it. Je vais souffrir, mais bon, c'est pour la bonne cause. Ain't no better dude. Burger my bitch as I had a crumb up in the show. Better think before you try to do. Put down the plate, that's an alley with switch it. Why be with the gang so much? Why they do it for the fame so much? Enchaîne. On recommence, ils ont pas vu. Vas-y. Hey tout le monde, ce mois-ci j'ai vraiment envie de faire un effort et de prendre soin de moi, que ce soit par les massages ou autre. C'est quoi ce bruit? Anyway. Ok. Donc oui, je disais donc ce mois-ci, donc là on entre dans le mois de juillet, j'ai vraiment envie de faire un peu d'effort, prendre soin de moi, faire des choses que j'ai jamais le temps de faire d'habitude. Et que je repousse à chaque fois, la santé c'est la clé. J'ai pris l'initiative de prendre rendez-vous pour faire de la massothérapie, donc c'est des massages de drainage et autres. J'avais rendez-vous hier, ça s'est super bien passé, je suis vraiment très satisfaite. Donc du coup pour concernant les massages, donc comme j'ai fait deux zones, ça durait 2 heures, donc c'était 1 heure par zone. Donc les jambes, les fesses. Et ensuite la deuxième zone, pareil.
tout ce qui est de la taille pour affiner le dos, 1 heure. Donc c'est vraiment bien, j'étais KO technique après, j'avais juste envie de dormir en fait. J'ai tellement bien dormi. Pourtant moi j'ai des problèmes d'insomnie, mais là j'ai vraiment bien dormi, comme quoi mon corps en avait besoin en fait. J'ai perdu pas mal de centimètres, hein. Tour de taille j'ai perdu 10 centimètres sur tout ce qui est des jambes et des hanches, j'ai perdu une dizaine de centimètres aussi. Et donc là, je suis censée boire beaucoup d'eau. Parce que normalement, quelques jours après, 48 heures, 72 heures après, on est censé quand même perdre pas mal de kilos. Et comme en fait ça draine, on est censé aller aux toilettes. Et donc éliminer les résidus. Donc je vais devoir me reposer d'ici 2 jours. Pour voir combien de kilos j'ai perdu, sachant que le but pour moi de faire ce massage n'est pas de perdre du poids ou autre, c'était vraiment juste bien-être et une manière de faire attention à moi. En plus, ça m'a permis d'identifier un peu où est-ce que je fais de la rétention d'eau. Elle m'a donné un produit à acheter pour justement éliminer l'eau que je stocke en plus dans mon corps, parce que je fais pas mal de rétention d'eau. Donc je vais l'acheter là tout de suite parce que je suis censée commencer à le prendre maintenant et je vous montrerai un peu le produit. Là dans quelques jours j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe pareil pour me débloquer un petit peu le cou, les articulations et autres, parce que voilà, au taf j'ai tendance à être recroquevillée, donc là voilà, le but c'est de pouvoir un peu libérer de toutes les tensions qu'il y a dans mon corps, et je trouve que c'est bien de faire ça au minimum une fois par an, si vous pouvez, faites-le et vous verrez, franchement, ça fait une grosse différence. Que ce soit l'ostéopathe, en plus maintenant, la plupart du temps, c'est pris en charge. Donc tout ce qui est ostéopathe, massage, essayez de vous faire du bien, un petit peu de bien-être, un peu toujours travailler, toujours courir, toutes les tensions qu'il y a en ce moment là. Donc bien-être 100%, j'ai aussi rendez-vous chez Yves Rocher. Donc non, vraiment c'est vraiment le thème du mois et je suis contente parce que j'arrive à faire tout ce que j'avais planifié. Comme c'est le thème du mois, donc as usual, j'ai été faire mes ongles, mes cils, je les ai faits. J'ai pas oublié de poster ma vidéo avec ma nouvelle routine, enfin ma dernière routine cheveux. J'ai juste pas eu le temps, comme vous pouvez le voir, ils sont tout gras, ils sont dégueulasses. Je les attache depuis plus d'une semaine. Normalement je fais ma routine toutes les 2 semaines, mais là j'ai pas été une bonne élève, j'entre dans la 3e semaine et j'ai toujours pas fait mes soins, donc je vais les faire cette semaine et vous filmer la routine avec la manière dont je fais mon silk press et autres, et les produits que j'utilise. Mais donc going back to le thème du mois, là c'est ma pause, donc je vais aller en profiter pour aller acheter le produit qu'elle m'a recommandé. À savoir que je suis censée boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Faut vraiment que je m'y tienne. Donc je vais reprendre ma grosse gourde de 2 litres que je buvais avant. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser ces dernières semaines depuis que je suis rentrée de vacances. Mais je vais recommencer à l'utiliser. Et ce soir, je vais courir. C'est décidé, ce soir, je vais courir.
Je viens juste de finir ma séance. Ça a duré une trentaine de minutes. Ça fait trop du bien. J'avais trop envie de dormir dans le cabinet. Donc, mission accomplie.